Saïd, il est en liberté vraiment toute la journée. Regardez, là, il s'est posé à l'ombre, tranquillement. Ça va, Saïd? Voilà, il fait sa vie. Les gars, on va remplir le sable pour le mettre dans ma chambre? Oui. Allez, c'est parti. Ils ont détruit le sable. Non, mais c'est pas grave, j'aurais dû le remplir. Coucou, fils. Regarde, il a encore faim. T'as vu? Toujours faim, lui. Mais c'est que tu t'arrêtes jamais. Oh, il a plus son petit duvet sur la tête, je l'aime plus. Faut que je change le prénom. On l'appelle comment? Il s'appelle Gargamel. Mais non, je sais que c'est un oiseau. Hein? Vas-y, montre-leur à Ron comment on donne. C'est pas grave, mets ta main, comme je t'ai dit, dans sa bouche. Est-ce qu'il fait mal? Non. Tu vois? Non, Aaron, vas-y, n'aie pas peur. On dirait que t'as peur un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de renommer. Je ça sais. Me dérange pas, les gars. Voilà, bien joué. Bah là, je vais tout nettoyer. Là, j'ai acheté le monsieur propre. Monsieur propre. Oh, ouais. Totalement investi hein, pour récupérer un quoi? Un cerf-volant. Volant. Nassim, ça va? T'es un génie, hein. Avec ta canne à pêche? Saïd! Il s'est caché ici, je crois que les enfants l'ont rendu. Ça va, Saïd? Je vous assure que les petits m'ont dit oui, Saïd, il se balade dans la forêt, tranquille, il revient. Ce que j'aime avec le lapin, celui-là, je parle bien de celui-là, c'est qu'il fait des petits tours autour de l'endroit où on le pose. Et après, il revient. Attrapez Saïd! 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 Allez Saïd! Viens! Saïd! Viens! Lui, je l'aurais eu tout petit, je crois que je l'aurais appris des trucs de ouf. Là, il va chercher un petit coin tranquille, il va se poser. A tout à l'heure, Saïd! J'aime trop. Vous l'aimez bien, Saïd, hein? Vous l'aimez bien, Saïd, hein? C'est bon, laissez-le, les enfants. On a dit on ne l'embête pas, d'accord? On le laisse faire sa vie, on vient le voir de temps en temps. Et on sait pour sa maison, là. Bah, il y a Saïd. Vous avez ramené le sable? Ouais. Allez, venons, on va faire sa petite maisonnette. On était 8. 8? Pour porter le sable? Il était trop lourd. Ils sont incroyables, les petits lépaules. Ils se donnent à fond pour mes animaux. T'as dit quoi? Vous avez trouvé un papillon blessé? Et vous voulez que je soigne un papillon blessé? Et comment je vais soigner un papillon blessé? Il va laisser accrocher à son sac. Tu sais, je leur ai transmis ma passion. Fais voir. Ça s'accroche à mort à mon sac. Et il vole pas. Oh, il est trop beau. Il vole pas. Mais c'est pas parce qu'il ne vole pas qu'il est blessé. Hein pas il est vraiment trop beau. Oh, je vais. Et genre, il est collé de ouf. Et je voulais pas le toucher. C'est vrai qu'il s'accroche pas mal. Je connais pas cette race de papillon, mais je vais le poser. Il est où? Il est là. Ah oui, il vole pas. Faut pas le chier les... Mais j'ai pas les papillons de nuit. Il est bizarre, lui. Non, les papillons de nuit. Il est gros, hein. Je vais essayer de le caler dans un coin où il n'y a pas de vent, pas de... Hop. Tu vas t'en occuper? Ah non, je sais pas m'occuper d'un papillon, moi. Mais il y a... Le vétérinaire. Mais le vétérinaire, il va pas s'occuper d'un papillon, hein. Ah. Il est big, il est comme ça. Allez, descends, papillon. C'est pas un papillon de nuit. Ben, je sais pas ce que c'est comme papillon. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Non, les papillons de nuit, ils sont bleus. Ah, mais c'est trop comment il s'accroche. Allez, papillon. Tu sais qu'il y a une race de papillon qui s'appelle le papillon accroche. C'est pas une tête. Mais c'est un papillon, il s'accroche. Là, il arrive plus à voler. Ah, il est bizarre, lui. Il avance. Oh, ah, il a un problème. C'est-à-dire qu'il peut vite tomber. Tu vois, s'il le soigne. On laisse tranquille. Bah, je sais pas soigner un papillon. Attention, personne derrière lui. Tu vois, tu le mets dans le terrarium, comme ça, moi, il sera tranquille. Le vent va pas le gêner. Mes petits sauveteurs. Non, non, le terrarium qui est à gauche, à droite, pardon, dans la salle. Là, c'est les déchets fruitaux. Moi, je sais pas si ça se dit, c'est déjà inventé. Et là, du coup, je vais tout donner aux animaux dans la forêt. Je pense que normalement, ils mangent tout ça, les animaux. Je vais d'abord tester avec le lapin et après, pour les chevreuils. Saïd, il est toujours dans son petit coin. Saïd, je vais te ramener une petite gamelle de fruits. Viens. Regarde. Viens. Tiens, Saïd. Hop, ça c'est poubelle. Saïd, viens manger tes fruits. Rentre pas dans les chambres. Saïd, je t'ai dit quoi? Tu ne rentres pas dans les chambres des enfants. Sors. Non, va à gauche. Voilà. Voilà, allez. Non, Saïd, pas de ce côté. Là-bas. Allez. Avance, allez, Saïd. Oh, mais il me tourne en rond, lui. Ok, bah, je vais devoir t'attraper, Saïd. Saïd, arrête de rendre fou. Saïd,
Ça va être pour moins que ça des lapins, ils ont fini au four. Hein. Viens. Saïd, viens. Saïd, viens manger. Regardez ce que j'ai trouvé dans le coin de... Regardez, des crottes. Mais alors, je sais pas quel animal, si quelqu'un peut m'orienter, c'est soit hibou, soit chouette, soit rat faucon, je sais pas. Et c'est les crottes, j'ai grimpé, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Bonnes assiettes de fruits pour les oiseaux. Mais c'est qu'ils vont se régaler. Oh là là, l'affiche que j'ai fait l'année dernière, je la retrouve. Oh, souvenir. Ça arrive, c'est l'heure de rentrer. Et il était toute la journée dehors. Totale liberté. Non, non, ça arrive, tu sautes pas. Oh, Rayus, le pigeon, il est là. Hein. C'est nickel avec ses potes. Là, c'est vraiment grand ménage. Je sors tout. Ça va trop vite. Si vous saviez combien de crottes fait un oiseau par jour, ça, c'était sous le lit. J'ai mis un petit produit. Normalement, dès que tu... Hop, voilà, ça part direct. Mais là, c'est juste un coup à fond. Après, ça va être grand GFF. Je vais faire une pause dans le ménage parce que je suis en réunion. Et après, re-réunion, et après, re-réunion. Je suis sur mon téléphone, c'est parce que je trie les photos. C'est pas un manque de respect ou... Hein. La limite, hein. La limite, hein. Ils vont faire leur retour, là. Ça aide. Parfois, ma fille. Non, j'ai réfléchir. Tu dirais qu'il y a moins qu'on prenne la salle de danse, celle-là. Je vous souhaitais, personne n'a pris. Donc, après, ça se faisait par chalet, donc si vous voulez venir là, venez là. Après, vous avez le groupe le plus conséquent. Donc, C'est ça, ce qu'on s'est dit. Chez les jeunes, vous avez un bonjour. Moi, j'en ai un, si vous voulez. Ah, j'en ai un, moi, si vous voulez. Alors, parfait, donc ça fait un parfait. Ça bosse dur. Regardez, il y a qui sur son épaule. Non, c'est... Tu crois que je suis un fan club? Non, c'est... on dirait Mojito. Et comme on regarde, on dirait trop Mojito. Ça va être grosse bouillotte pour laver la chambre. Eau chaude. Enfin, je pense qu'on appelle ça une bouillotte. Mon fils. Dans le train, tu le veux? Je te jure, c'est lui qui me colle, c'est même pas moi. Oui, 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 il dormait, Muskin. Il dormait. Ouais, il dormait. Quand je l'ai quitté, il dormait. J'ai la preuve sur Snap. Oh, regarde, il vient chez papa. Il vient dans la poche. Mais à la base, il me calculait pas. Allez, rentre dans la poche. Attends, tiens-moi ça. Normalement, s'il rentre dans la poche, lui, il a un grand avenir dans l'apprentissage. Ok, je vais pas te forcer. Viens là. Je t'arrête. Oh là là, c'est plume et tout. Tout à l'heure, il s'entraînait à voler pendant la réunion, t'as pas vu? Si. Et il a la tête à Mojito, ouais. Je l'aime trop. On m'a demandé de l'appeler Long Cou. Parce que qu'il fait ça. Il a un vrai long cou. Sol bien propre et il me reste que cette partie à nettoyer. J'ai mis l'eau chaude et là je vais balayer.
Non, t'es un peu feignant. Bien, c'est pas assez. Lapin, calme-toi. Ah non, je te capture quand tu fais ça. Hop, vol. Mais il est bien, lui. Enfin fini. Touche d'id, mais faut pas oublier que j'ai une deuxième chambre à nettoyer. La deuxième chambre, je vais pas la faire aujourd'hui. Fatigant. 2h10. Avant 3h du matin, j'ai fini ma chambre. Je vous laisse regarder la partie 2. Moi, si je rentre dans une forêt comme ça, dans le noir, c'est vraiment pour mes animaux. C'est vraiment pas pour moi. Jamais de la vie, j'aurais fait ça pour moi. Ça fait peur, wesh. J'anticipe les questions, les nègres. Oui, Youssef, pourquoi tu fais pas ça la journée? La journée, on bosse acharné. Croyez-moi, on n'a pas beaucoup de temps pour nous. C'est très, très dur, une colonie. Il me suit, regardez. Où que j'aille. Dommage, la vidéo n'a pas marché. Il est venu sur moi direct. Oh, mais lui, il mange trop. Je comprends pourquoi ta mère, elle t'a jeté hors du lit, toi. Hors du nid, pardon, je suis KO, j'arrive plus à parler. Non, c'est là. Chut. Gargamel, viens manger. Chut. Gargamel. Chut. Viens manger. Allez. Viens. Non, viens. Viens jusqu'ici, Gargamel. C'est toujours moi, je fais les efforts. Fais un effort, allez. Voilà, c'est bien. Tiens. Tu te régales, hein. Et si t'as plus faim, tu me dis. Hein. Beaucoup ça aide.
moi je fonce avec elle comme ça. Il est trop mignon. Voilà, je peux enfin dormir, il est quoi, 3h18 du matin. Ça va, j'ai fini vite. Hein. J'ai créé ma petite chambre nature. Donc moi je dors là, ça c'est le lapin à côté, mais bon, il dort toujours avec moi. Hop. Lui, je lui ai mis de la bouillie de banane, c'est le bébé de Mojito. Voilà ma chambre de colonie. Et toi, tu vas pas me dégueulasser la chambre? Viens, non, non, non. Hop, choper la bête. Attends. Pose-toi là. J'aime trop. Au moins, ça va limiter les dégâts en crotte et tout. Attention toi, heureusement que je regarde toujours par terre. Ça va toi? Je l'ai mis beaucoup beaucoup de foin, l'eau, la nourriture pour lapin. Le fils à Mojito commence à manger tout seul, je suis trop content. Et voilà, vous voyez, j'ai mâchouillé la banane et je l'ai mis. Je suis trop content, il mange tout seul. Et les deux là, j'ai pas nettoyé la chambre, vous me la bousillez dès le premier jour. Hein. Franchement, c'était dur entre le ménage, la création, ça. Et en plus, je tenais ma porte avec une laisse. Avec une laisse. Hop. Qui t'a dit de monter, Ça, j'y arrive plus. Plus de force. Descends, ça aide. Allez. Si je vous dis que j'étais en train de dormir dehors, posé comme ça, comme un fou. Dites-vous, les 4h28, ma story, il y avait à peine de se mettre. J'avais vraiment pas de réseau.